n'entends plus rien. Lothario ne me trompe pas. Où est-il? J'entends qu'on marche de ce côté. La porte s'ouvre. C'est lui. Salut à vous, soyez les bienvenus chez moi. Que veut-il dire? Sous ses riches habits, est-ce lui que je vois? Tout ici m'appartient. Regarde, admire. Dans ce palais, j'ai aimé autrefois. De sa folie, hélas, ayons pitié. Je ne le connais plus, son regard ni sa voix. Oublions nos temps de misère. Il adoucira, je l'espère, l'ennui de ton cœur soucieux. Cette cassette est là, depuis de bien longs mois. Qu'en faut-il que l'ouvrir? Que contient-elle? Quoi? Une écharpe d'enfant. Or et d'argent brodé, oui, je l'avais pieusement gardée. Quelle est cette relique qui, dont la porta, parle? Sperata. Déjà ce nom a frappé mon oreille. Un souvenir convu à ce doux nom dont mon âme s'éveille. Est-ce l'écho lointain d'un passé qui n'est plus? Sperata. Des pleurs brouillent ses yeux. Ne vois-tu pas aussi un bracelet de corail? Le voici, trop petit pour mon bras. Trop grand pour elle. Elle ne pouvait pas attendre au lendemain pour porter un bijou qui la rendrait plus belle. Et le bijou, toujours, lui glissait de la main. Lui glissait de la main. Qu'as-tu? Tu trembles et tu pleures. Regarde encore. Un livre d'air. Je crois toujours l'avoir lettre à lettre épelé sa prière du soir. Où vient? Vierge Marie.
Dieu qui l'inspire. Elle achève sans lire. Lothario, Vélène, suis-je donc d'Hélène? Je devine, je vois, je sens, je le prédéle. Où donc m'as-tu conduite et quel est ce pays? Italia! Italia! Oh, rayon!